through his may his name be elevated to forever. And before everything, I'd like to say thank you to God. Oh, à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. God the Father, the Holy Spirit, my Father. Pour ce qu'il m'a appelé. For what he's called me for. C'est pas un homme. It's not a man. Mais c'est lui-même Dieu. But it's the same God. Et je vais dire merci à nos parents. Thank you to our spiritual parents. Pour ce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Hearing the voice of God. Et ils ont vu la paix sur moi. The call upon me. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Et je vais dire merci. Thank you to the prayer assembly. Accepte for accepting the word of God through me. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Ce matin. Amen. This morning. Ce matin. This morning. Nous allons voir comme titre l'accomplissement de notre destinée prophétique. We have the title, the theme of the accomplishment of our destinies. Nous savons que Dieu nous a créés pour un objectif. We know that God has created us for an objective. Et Dieu a créé tout un chacun de nous and pour un but. Created each of us for et a le, goal. Et le but que Dieu a nous a créé. And the reason that God created nous us. Devons l'accomplir sur cette terre. Needs to be accomplished upon this earth. Nous devons pas. Dieu, on n'est pas venu sur cette terre par erreur. Alléluia. We didn't come to this earth for a mistake. Et Dieu ne fait point d'erreur. And God makes zero mistakes. Et si nous lisons à Ésaïe 46. If we read Isaiah 46. Verset 10. Verse 10. Je demande à la sœur de lire. I read, ask the sister to read. Isaiah. J'ai la parole du Seigneur. I read the word of God. Isaiah 46. J'annonce le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. 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 Oui, Dieu exécutera toute sa volonté. God will execute all His will. Nous savons que la destinée. And we know that the destiny. Ce sont les desseins de Dieu pour nous. Are the designs of God c'est for us. C'est le programme de Dieu it's pour notre vie. It's the program of God for our life. Et Dieu dit dans sa parole qu'il accomplit selon sa volonté. And He will accomplish it based on His will. Nous avons vu la semaine passée que Dieu a suivi de God. Dieu a utilisé son serviteur. Use His servants. Pour nous donner des paroles prophétiques pour ceux qui étaient là. To use, to give us prophetic words for those who are here. And sa parole sort, if His word comes out, elle s'accomplit certainement. It will be accomplished certainly. Nous allons lire dans Jérémie 1:5. So we'll read in Jeremiah 1:5. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, before je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Mais Dieu t'avait déjà appelé. And God had already called you. Avant que tu fusses formé du ventre de ta mère, you were even formed in your mother's Dieu t'avait déjà choisi. God had already chosen il you. Il dit que tu seras lumière. To say that you will be the light. Tu seras plus dans les ténèbres. You will no longer be in darkness. Donc il t'avait déjà appelé. So He had already called you. Et les desseins de Dieu s'est accompli dans ta God vie. Accomplish in your aujourd'hui tu as accepté le Seigneur Jésus. You accepted Jesus Christ. Tu l'as reçu comme ton sauveur, le Seigneur personnel. Et tu es dans la lumière. And you are in the light. Et étant dans la lumière, light, tout ce que Dieu a dit sur toi la semaine passée, ou depuis des années, il faut attendre à cela, parce que certainement, it will be accomplished. Si nous lisons dans Habakkuk 2:2, if we read in Habakkuk 2:2, amen. Je lis la parole de Dieu, Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et the dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin que l'on la lise couramment. Amen. Write the vision and make plain upon tablets that he verset may 3, run. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde à ton là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu dit dans sa parole que la prophétie. God says in His word that the prophecy will accomplish in your life certainly. Mais il y a des ennemis but there are enemies against your destiny. Et ils sont en plusieurs formes. And there are many forms. Donc les situations de fois nous amènent à ne pas atteindre notre destinée. Sometimes happen to not allow us to reach our destiny. Mais comment faire but how to do pour it? Entrer dans notre destinée? To enter into our destiny. Et si nous lisons dans Zacharie, on n'a pas le temps de lire ça. There's no time si to read nous lisons dans Zacharie 9:9, la prophétie que Dieu avait donnée à Zacharie.
that God gave to Zechariah was accomplished in 1:11, from 1 to 11, based on the will of God. Dans ce passage, on parle de l'âne qui était attaché. They were talking about the donkey that was tied. Alors que Zacharie avait prophétisé que l'âne fera. Jésus va utiliser l'âne. Jesus will use the donkey. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. So that the glory of God be manifested. Et moi, je dis aujourd'hui. And I said today. L'âne était lié. The donkey was tied. L'âne qui était lié, qui pouvait pas rentrer dans sa destinée. The donkey that was tied. Nous savons pas combien de temps l'âne était là-bas. We don't know how long that donkey was there. Quel moment l'âne a été attaché. At what moment the donkey was tied. C'est comme ça notre vie. So it's like our lives. Qu'est-ce qui t'empêche? What is stopping you? Qu'est-ce qui te lie? What is tying you? Qui te bloque. And is blocking you. Pour entrer dans ta destinée. For you to enter into your destiny. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre à ses disciples. D'aller chercher là. Disciples to go untie the donkey so that si les ennemis is what you've done. But what about pourquoi les détachez-vous? Are asking why you que le Seigneur a besoin. And he says, tell them that the Lord has asked for. And David a eu cette vision. Il a eu had a vision. Dans Psaume 31, Psaume 31. La parole de Dieu, Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Et David a eu cette vision, il a demandé à Zechariah 9 and Mark 11. La parole de Dieu soutenue par le Saint-Esprit donnera les révélations afin que vous puissiez prier. So that you can receive the word and the revelation.